pied, recommandement et toute la police là à terre pour ensemble pour nous combattre le phénomène ça. Il y a pile famille qui victime, il y a pile monde qui victime soit au niveau moral parce que les gars enlèvement nous ça fait comme au niveau moral et économique. N'a passé qu'on y a et commandant chef là la parole pour un point de presse côté que il va parler de ensemble de mesures que il y a pour au niveau commandement. Merci Pépé. Tout d'abord, je vais présenter excuse-moi à membre de presse là qui tellement pendant un bon petit temps la police a été en rencontre de haut commandement pour nous ensemble qui mesure pour prendre pour nous couper phénomène insécurité là, spécialement remonter des cas d'enlèvement. Point ça en affaire, c'est pour nous rassurer la population, au commandement de la police, avec tout le policier, des sénateurs, 24 sur 24, pour faire face à problème de sécurité. Il y a une mesure que nous prenons pour nous capables de permettre que la population travaille avec nous, pour nous capables d'informations pour nous gagner, pour nous capables de plus de résultats. Nous avons mis un numéro très simple pour que la population puisse communiquer avec nous. Le numéro ça c'est 122. 1, 2, 2. Cap opérationnel à partir de vendredi. Pour que la population puisse relayer la police, là, nous avons pris information pour agir rapidement ou bien pour nous traiter pour agir après. Parce que le problème qui est kidnapping, c'est pas un problème police seulement. Il vient tout un problème de société. Côté, tout le monde doit participer à la donnée pour nous capable comment capable de rétablir la confiance pour nous capable pour la population capable de rapprocher de la police. Je me dis là, c'est une responsabilité partagée. La police est prête pour jouer Wolpal et n'a pas le numéro de téléphone ça. C'est 122. 24 sur 24, cap disponible pour nous prendre information dans la population. L'app disponible vendredi, mais entre-temps, la population qui a utilisé le téléphone Sayo, 38 38 11 11, 38 39 11 11, 38 38 11 11, 38 39 11 11. Donc c'est le lien que nous avons essayé d'établir avec la population pour ensemble, dans le principe de responsabilité partagée, ça, pour nous capables de stopper le phénomène que la famille a souffert, la société n'a pas capable encore. Et la police a dit, avec le commandement, nous à terre. Nous remarquons tout dans pile le monde qui a imposé tête en tant que négociateur. Sans y'a pas d'autorisation par un monde qui a enlevé, sans y'a pas de travail avec la police. Le monde qui a fait connaît, le comportement ça pas bon. Et la police va relayer pour y'a qui motivation. Parce que tout ça rentre dans la stratégie que nous avons utilisée pour freiner, monter ta enlèvement. Jean Noué, la police a mobilisé, nous avons fait 24 sur 24. Nous allons faire des fouilles, intensifier les fouilles à travers la zone métropolitaine, question vite têté, question plaque service de l'État, question plaque officielle qui n'est pas actualisée. La police n'a pas gagné, passe pour qui. La police va fouiller tout le monde. Ces mesures préventives que nous allons faire, que nous avons pris et que nous commençons à prendre, renforcer pour nous capables de couper le phénomène. Ça. Donc, nous dans la rue. Nous avons sollicité appui de la population pour nous capables de plus de résultats pour ensemble avec la population, mesures renforcées et pour que la paix finalement et de façon permanente retourne pour que la tranquillité d'esprit, pour que les gens aillent à l'école, pour que nous empêchions que les pays respirent
et puis que tout le monde cavaque à occupation. Merci beaucoup. Merci. Donc, ensemble, nous voilà sur. C'est tout, hein. C'est peut-être. À bientôt. Ok. Pied, au commandement et toute la police là à terre pour ensemble pour nous combattre phénomène ça. Grand pile femmes qui victimes, grand pile moun qui victimes soit au niveau moral parce que les gars enlèvement nous ça fait comme au niveau moral et économique. N'a passé qu'il y a et commandant chef là la parole pour un point de presse côté que il va parler de ensemble de mesures que il y a pour au niveau commandement. Merci Pépé. Tout d'abord, je vais présenter, excuse-moi, à membre de presse là qui, tellement pendant un bon petit temps, la police a été en rencontre de haut commandement pour nous ensemble qui mesure pour nous prendre pour nous couper phénomène insécurité, spécialement remonter des cas d'enlèvement. Point ça en affaire, c'est pour nous rassurer la population, au commandement de la police, là, avec tout policier, des sénateurs, 24 sur 24, pour faire face à problème de sécurité. Il y a une mesure que nous prenons pour nous capables de permettre que la population travaille avec nous. Pour nous capter des informations pour nous gagner, pour nous capter plus de résultats, nous mettons un numéro très simple pour que la population puisse communiquer avec nous. Le numéro ça c'est 122. 1, 2, 2. Cap opérationnel à partir de vendredi. Pour que la population puisse relayer la police, nous prenons des informations pour agir rapidement ou bien pour nous traiter, pour nous agir après. Parce que le problème kidnapping, ce n'est pas un problème police seulement. Il vient de nos problèmes de société. Côté, tout le monde doit participer à la donnée pour être capable de rétablir la confiance, pour être capable pour la population capable de rapprocher de la police. Je me dis là, c'est une responsabilité partagée. La police est prête pour jouer World Pal et n'a pas le numéro de téléphone. Ça. C'est 122, 24 sur 24, qui est disponible pour nous prendre information dans la population. L'app disponible vendredi, mais entre-temps, la population qui a utilisé le téléphone
38 39 11 11 38 39 11 11 38 39 11 11 38 39 11 11. Donc c'est lié que nous avons établi avec la population pour ensemble, dans le principe de responsabilité partager ça, pour nous capables de stopper le phénomène que la famille a souffert, la société a pas capable encore. Et la police a dit, avec le commandement, nous à terre. Nous remettons tout dans le monde qui a imposé tête en tant que négociateur. Sans pas avoir autorisation, par un monde qui est enlevé, ça ne va pas travailler avec la police. Le monde sait qu'on connaît le comportement ça pas bon. Et la police va le relayer pour voir qui motivation. Parce que tout ça rentre dans la stratégie que nous avons utilisée pour freiner la montée de l'enlèvement. Je nous vois, la police a mobilisé, nous avons fait 24 sur 24, nous avons fait des fouilles, intensifier les fouilles à travers la zone métropolitaine, question vite têté, question plaque service de l'État, question plaque officielle qui n'est pas actualisée, la police n'a pas gagné, passe pour qui, la police a fouillé tout le monde, ces mesures préventives que nous avons fait, que nous avons pris et que nous commençons à prendre, renforcer pour nous capables de couper le phénomène ça. Donc, nous dans la rue, nous avons sollicité appui population pour nous capables plus plus résultats pour ensemble avec population mesures renforcées et pour que la paix finalement et de façon permanente retourne pour que tranquillité d'esprit pour que Timoun yo à l'école pour que n'empêcher que paysan respirer et puis que tout le monde cavaquer à occupation. Merci beaucoup. Merci. C'est peut-être. Thank you.